Selon les experts, il faudra produire d'ici 20 ans deux fois plus de céréales pour nourrir la population burkinabée. Lever alors les obstacles au développement de la filière céréale devient un impératif pour les différents acteurs. Janvier 2009, le comité interprofessionnel des céréales et du niébé du Burkina CICB et le programme d'appui aux filières agro-silvopastorales décident d'agir ensemble. Objectif, permettre aux producteurs, aux commerçants, aux transformateurs et aux transporteurs membres du CICB de développer la filière céréale et de permettre aux Burkinabés de manger à leur faim. Nous avons expliqué le mécanisme d'opération intrant, comme on l'appelle couramment au sein de l'interprofession. Et le PAFASP aussi nous a compris. Et nous avons élaboré un plan d'action que nous avons mis à la disposition du PAFASP et qui a mis à notre disposition une enveloppe de près de 138 millions. Pour donc renforcer durablement la sécurité alimentaire du Burkina, il faut faciliter l'accès des producteurs aux intrants de qualité, aux équipements, aux infrastructures appropriées pour la production du maïs et du niébé à fort potentiel économique et nutritionnel. Dans les stations de recherche agricole du Saria et du Farakoba, ces producteurs de niébé et de maïs, animateurs ou conseillers agricoles des organisations paysannes membres du CICB, renforcent leur capacité sur la production intensive du niébé et du maïs. Dans ces exploitations où sont produites des semences de base du niébé et du maïs, les formateurs de l'INERA passent en revue avec les producteurs les différents itinéraires techniques de production du niébé et du maïs à fort potentiel économique et au rendement plus élevé. Ces techniques, c'est respecter les densités de semis, respecter les dates de traitement et également respecter les différentes dates de récolte pour que leur production ne pourrisse pas au champ. Et également les techniques de conservation pour mieux conserver les graines. Au-delà de la production des semences, on les a appris aussi à conserver le sol. Parce que la base fondamentale de la production, c'est quoi? C'est le sol. Voilà, en ce moment, on est sûr d'avoir une bonne production, une production à même en tout cas de s'imposer aux exigences climatiques de notre moment. En pratique, tout comme en théorie, les différentes notions ont permis à la centaine de producteurs concernés de renforcer leurs connaissances et de mieux maîtriser les techniques de transfert de technologie en matière de production intensive du niébé et du maïs. On a appris beaucoup de choses. Parce qu'avant, nous, on s'aimait en désordre. Mais maintenant, la formation a permis que nous, on connaît comment il faut s'aimer en lit et comment il faut traiter le niébé. Pour atteindre les objectifs fixés, le CICB a commandité dans un premier temps une étude pour rechercher les solutions adéquates pour le renforcement et l'élargissement de son mécanisme de facilitation de l'accès des producteurs aux intrants et aux équipements agricoles. Outre ces actions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action, deux études, chaînes de valeur, maïs et niébé, ont été réalisées toujours sur financement du PAFASP. Objectif, faire un diagnostic, une analyse des deux filières afin de proposer un plan d'orientation en vue de la réalisation des actions pertinente susceptible d'accroître la compétitivité et la rentabilité de la filière. Nous sommes un projet de compétitivité, donc il faut travailler sur là où il y a de la valeur ajoutée, à quel niveau il y a la valeur. Donc il faut faire l'analyse de la chaîne de valeur du niébé, celle du maïs, et pouvoir y mettre l'accent qu'il faut. Deux principaux produits créateurs de valeur ajoutée ont été identifiés. On les présente par chaîne de valeur, chacun des produits du maïs qui est commercialisé sur le marché, que ce soit le grain, que ce soit la semoule, que ce soit la farine, que ce soit l'aliment volaille, que ce soit le grit qui sert à la production de la bière. Tous ces produits sont des produits individualisés, donc issus du maïs, qui sont commercialisés sur le marché. Nous sommes un maillon de la filière valeur, chaîne de valeur du maïs. À ce titre, nous sommes représentés au CICB en tant que transformateur industriel de maïs. L'appui du programme a également permis à des transformateurs membres du CICB de renforcer et de développer leurs activités. Des études ont été faites et nous ont démontré que la transformation peut tirer la production. Ce qui veut dire que si au niveau de la transformation, nous transformons beaucoup de céréales, des quantités plus grandes, c'est la production même qui augmente en même temps. Du reste, avec les acquis de cette phase pilote,
le Burkina pourrait bientôt compter parmi les grands producteurs de céréales de l'espace CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.